Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 9 novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourris le plus. J'ai pigé aujourd'hui tromperie à l'endroit. Je vous ai expliqué que dans cet oracle, on peut piger les cartes à l'endroit et à l'envers, que la signification est différente à l'endroit, à l'envers. Alors tromperie, tactique cachée, manipulation. Cette carte, eh bien, elle vient vous avertir qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. Et on peut voir, vous pouvez remarquer qu'il y a une personne qui se cache derrière le rideau, là, sur la carte. Eh bien, elle est sans doute quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. Là, on vous met en garde. Elle n'est pas à l'envers. Elle est à l'endroit, donc c'est une carte qui vous met en garde. La duplicité pourrait être d'ordre personnel, n'est-ce pas? Par exemple, eh bien, cela pourrait être une personne qui répand des rumeurs à votre encontre, qui prononce peut-être des paroles irrespectueuses envers vous. Elle pourrait exister dans le milieu des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Donc, si maintenant dans votre travail, au point de vue professionnel, eh bien, vous avez des doutes, faites attention parce qu'il y a de la manipulation autour de vous. Il y a des manipulateurs, il y a de la tromperie. On veut vous tromper. Ne prenez pas de décision tant que vous n'avez pas tous les éléments en main. Soyez vigilant. Soyez conscient de ce qui se passe autour de vous, dans votre vie. Et cet homme derrière le rideau, n'est-ce pas? Eh bien, il tient un sac. Il tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors, protégez votre argent. Attention, protégez votre argent. Votre bonne réputation. Et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Alors, cette carte, il y a une signification qui est beaucoup plus profonde avec cette carte, qui pourrait indiquer aussi que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos d'une chose? Posez-vous la question. Alors dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, on vous demande de vous rappeler que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppé dans votre propre duperie. Je répète, parce que c'est quand même quelque chose d'interpellant, qu'il faut prendre attention. Rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuse si votre énergie est
enveloppés dans votre propre duperie. Attention, vous savez que l'univers, il peut vous envoyer des choses, des expériences à vivre. Mais si maintenant, vous n'êtes pas respectueux et que vous êtes dans une duperie à votre égard, eh bien, l'univers ne peut rien vous envoyer, n'est-ce pas? Waouh, quel beau message quand même, hein? Alors cette carte, eh bien, elle vient vraiment vous dire de faire attention à votre entourage. Ça peut être votre entourage familial, professionnel, votre entourage beaucoup plus intime, vos camarades, vos copains. Attention, il y a de la tromperie et de la manipulation. Attention aux gens qui vous entourent. Et ça peut être par de la médisance, de la méchanceté, de la jalousie, tout ça, hein. Attention, attention. Et attention aussi avec l'argent. Donc ici, ce n'est pas une carte de mauvais augure, parce qu'elle n'est pas à l'envers. C'est une carte qui vous dit attention, qui vous prévient. Voilà pour l'oracle de l'énergie. Et puis, eh bien, le message de ton âme. Et là, voilà, je tire une carte. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Quel beau message de ton âme. Waouh, 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 moi ça me prend par les tripes. Eh bien voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, hein, pour faire connaître, pour que l'algorithme fasse connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Merci aussi, n'est-ce pas, pour votre écoute. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse. À demain.